Salut les amis, c'est Spina pour le test de Fighting Force sur PlayStation, première du nom. Donc il est sorti le 31 octobre 1997, donc presque 20 ans cette année. Il a été développé par Core Design et édité par Eidos Interactive, donc les papas de Tomb Raider, hein, je pense que vous l'avez deviné. C'est un beat'em all jouable à 1 ou 2 players, donc on le retrouve également sur PC et Nintendo 64. Mais vous l'avez peut-être croisé sur borne d'arcade également. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit dans le test de Final Fight que je ferais mon petit protégé très bientôt dans ce type de jeu. Eh bien c'est celui-ci. Donc attention, j'en vois déjà hurler et jeter des pierres dans les vitres de mon appart. C'est loin d'être le meilleur. J'en suis infiniment convaincu, mais la nostalgie me rattrape complètement. Alors évidemment, on va mettre le jeu en français, donc trois choix de langue, anglais, français, allemand, pour ceux que ça intéresse, on sait jamais. Quelques temps de chargement, hein. Bon, on a l'habitude avec la première PlayStation qui était la reine dans ce domaine, hein. On avait des chargements dans tous les sens. Là, j'appuie sur Start, on repart dans un chargement avec le logo Fighting Force. Donc, jouable un seul joueur, hein, puisque j'ai qu'une seule manette de brancher, je vais mettre le jeu en facile. Et on va lancer ça tout de suite. Donc les personnages, donc Kat, Alana, Oak, Mace et Smasher. Donc le gros bourrin de service que je vais prendre, bien évidemment, vous me connaissez maintenant. Encore un temps de chargement. Donc il y aura des temps de chargement comme ça entre chaque niveau. Donc j'ai envie de dire petite cinématique, petite cutscene plutôt. Ce serait plus simple d'appeler ça comme ça. Bon, je peux vous parler directement du scénario. Les gars, le monde est menacé par le terrible Dr. Zeng. Attention les gars, ça va péter dans tous les sens. On a la Fighting Force, donc c'est une équipe composée de 4 personnages que je vous ai présentés il y a quelques secondes. Hawk, Smasher, Mace et Alana, qui vont essayer d'arrêter cette espèce de dictateur, ce psychopathe. Bien évidemment, il va falloir parcourir la moitié de la Terre avant de le trouver, hein, ça on a l'habitude dans les beat 'em all, c'est du grand classique. On va passer par le parc, par des bâtiments, par des magasins, par tout et n'importe quoi pour pouvoir dénicher cet enfoiré de Dr. Zeng. Donc vous l'aurez compris, l'heure est à la baston. Donc on va essayer de détruire cette voiture de flic pour pouvoir récupérer un lance roquette qui est caché dans le coffre. Donc tout est explosable, si je puis dire. On peut vraiment tout détruire sur son passage. Bah, je vais vous montrer ça au fur et à mesure, hein. Vous voyez que là j'ai 4 missiles, c'est noté en bas à gauche. Donc ça me sert à exploser le portail. Donc, il me semble qu'on peut détruire le portail à main nue, hein. On n'est pas obligé de récupérer le lance-missile. C'est un petit peu comme bon nous semble, mais bon, moi ça me permet d'exploser également les ennemis avec. Puis ça fait plaisir d'avoir des armes dans un jeu beat'em all. C'est pas toujours le cas, donc on va en profiter. Donc un jeu propre à la PlayStation en 3D, le jeu a quand même assez mal vieilli, hein. Là-dessus je vais pas m'en cacher. Mais je sais que déjà à l'époque je le trouvais assez moche, hein. Vous voyez, le personnage principal est rempli de polygones, c'est assez moche, hein, parce qu'il y a pas mal de bugs, des textures qui clignotent, on a tous les principaux défauts de la console. Malheureusement, bah, ce jeu-là, bah, c'est un petit peu la vitrine des jeux qui ont mal vieilli. Le gameplay est assez lent, bon, les graphismes, je viens d'en parler, c'est... Ça bave, hein. ça bave vraiment de partout. Donc le jeu mise surtout sur les coups au corps à corps, même si on peut évidemment ramasser des armes comme vous venez de le voir. Le but c'est également de fouiller un petit peu les niveaux, vous voyez il y a des petites caisses par terre, essayer de les détruire, voir ce qu'elles contiennent, des armes, des haches, des barres de fer, des battes de baseball, on a vraiment beaucoup de choses, on a beaucoup de choix, là si vous éclatez la voiture, bah, on peut ramasser les roues pour balancer à la gueule des ennemis, donc on peut juste ramasser les roues avec ce personnage là, hein, puisque vous en doutez bien, chaque personnage aura ses qualités et ses défauts. Donc lui, il est assez lourd, assez mastoc, mais très puissant. Je peux ramasser les moteurs de voiture. Allez, regardez. Bon, évidemment, il fallait que je me foire. Attendez, je vais essayer de me débarrasser de cet ennemi. Regardez, je peux même arracher des trucs sur le décor en lui-même pour pouvoir l'utiliser comme arme face aux ennemis, donc qui sont en costard. Hein. Ça fait vraiment très, très mafia. Des mafieux, là, qui viennent nous attaquer. Donc on a pas mal d'attaques, évidemment en accélérant, on a deux attaques différentes, une espèce de roulade et une attaque en l'air où il écarte les deux bras pour pouvoir atteindre un maximum d'ennemis. On a le corps à corps avec les coups de poing, les coups de pied, ouais, là je ramasse la roue entière. Hein. Normalement c'est du headshot direct, il crève en un coup. Donc chaque ennemi laissera, enfin pas forcément, laissera aléatoirement de l'argent, donc des billets de dollars, des... comment on appelle ça, une plaque d'or,
des sandwichs, ce genre de choses pour récupérer un petit peu de vie. Donc là, vous voyez que je viens de terminer le premier niveau. Donc le jeu est composé d'une vingtaine de niveaux, de 20 à 22 exactement. Donc je vais vous reparler un peu plus tard de la... comment dire... de la construction des niveaux, enfin du trajet jusqu'au boss final. Là, on a pas mal d'ennemis, c'est bien, je pourrais faire un petit carnage. Attention, il y en a un qui a un pistolet là. J'ai un petit peu pris en sandwich. Je suis en train de me faire démonter. Voilà, il fallait que je me fasse tirer dessus. Donc mon énergie est en haut à gauche. Vous voyez l'espèce de barre sous le nom Smasher. 9900, c'est le nombre de points. Évidemment, il y a un petit peu de scoring hein, dans les jeux comme ça. Bon, après, je préfère vous le dire tout de suite, c'est un jeu qui est vraiment excellent à deux joueurs. Hein. C'est vrai que tout seul, pas comme tous les Beats'em'all, j'ai envie de vous dire. Là, c'est un petit peu redondant, vous faites rapidement chier. C'est un Beats'em'all, c'est toujours la même chose. Les coups ne sont pas... c'est pas un jeu de combat. Il n'y a pas vraiment de combos. Chaque perso a son attaque spéciale. Que je vais vous montrer tout à l'heure. Lui, frappe vers le sol pour attendre les ennemis qui sont autour de lui. Nous cible une sorte de séisme, ce genre de choses. Donc chaque perso aura son attaque spéciale différente. Donc vous voyez, toujours se... toujours fouiller les environnements. Là, on attaque une machine à soda. Bah, y a un... Donc c'est Cola. Hein. Je pense pas qu'ils avaient le droit de mettre la vraie marque Coca-Cola. Donc là, vous pouvez boire pour récupérer un petit peu d'énergie. Vous voyez, il y a des petites subtilités comme ça, un petit peu... j'ai envie de vous dire, dans la globalité de chaque niveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est chaque fois que vous refaites le jeu, vous dites « Ah ouais, c'est cool, il y a ça aussi à faire. » Moi, je trouve ça sympa qu'il y ait un petit peu ce genre de choses. Ça apporte un petit peu une plus-value supplémentaire au titre. Donc, qu'on soit clair, je peux comprendre que des gens trouvent ça dégueulasse. Hein. Déjà, graphiquement, c'est repoussant. C'est vrai que le gameplay est assez lourdeau. C'est vrai que ce personnage n'aide pas aussi... à la contemplation de l'énergie que véhicule le jeu. C'est pas beau ça. Donc déjà que c'était un jeu globalement assez connu à l'époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de Beats'em All sur la première PlayStation, surtout en ce temps-là, en 97. Ça courait pas les rues, alors que sur SNES, on n'avait pas 10 000. Mais il y avait quand même des hits. Je pense au Final Fight, les 3, Double Dragon et j'en passe. Sur PlayStation, on n'avait quasiment rien. Et ce Fighty Fox c'est un petit peu arrivé avec une lourde tâche, c'était vraiment de relancer le genre. Un genre qui était en train de mourir petit à petit, s'il n'était pas déjà totalement mort. C'est que quand j'ai eu la PlayStation, j'allais pas vraiment vers les Beats'em All, enfin je recherchais pas vraiment ça. Je voulais du Tomb Raider, un jeu d'aventure en 3D avec des environnements époustouflants. Qui sont entre temps devenus moches, je vous l'accorde. Encore une fois, la PlayStation a assez mal vieilli, malheureusement. Mais elle garde malgré tout un petit peu de charme. Donc là, n'hésitez pas, ceux qui découvrent le jeu vraiment pour la première fois, envoyez ces images, est-ce que ça vous donne envie de faire le jeu ou vraiment pas du tout? Parce que moi, selon moi, lorsque je teste un jeu Super Nintendo, on va prendre Legend. On va comparer Legend, que j'ai testé sur la chaîne, et ce Fighting Force. Si j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaissait pas ces deux jeux, en regardant ces deux tests, j'irais peut-être plutôt vers Legend plutôt que Fighting Force, bien que ce soit un jeu en 3D, qu'il y ait plus de choses à faire, qu'on puisse ramasser des armes, etc. C'est pas forcément accrocheur à première vue. Donc là, on arrive dans un ascenseur, hein, le grand classique des Beats'em All. Vous voyez, là, la zone est quand même beaucoup plus petite. Hein. C'est assez délicat s'il y a beaucoup d'ennemis qui arrivent en même temps. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est un jeu qui peut vous attirer encore en 2017. Moi j'ai ce côté nostalgie parce que c'est un jeu que j'ai fait mais énormément de fois avec un ami quand j'étais pio. C'est le genre de jeu qu'on faisait, il venait dormir chez moi, je dormais chez lui et on jouait à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on faisait le jeu, on le terminait et on le recommençait. C'est rare les jeux comme ça qui ne nous découpent pas. Là le jeu-là, on le terminait, on butait le boss de fin, on se disait... bah vas-y, on va le recommencer tout de suite. Pourquoi? Donc là, j'arrive à un gros point fort du jeu. Durant certains passages, le jeu vous demandera de choisir un chemin. À gauche, on va dire base navale. À droite, base aérienne. Si vous choisissez le chemin de gauche, ça ne veut pas dire que vous allez faire les deux. C'est pas parce que vous allez prendre la gauche que vous ferez la droite juste après. Non, si vous choisissez la gauche, la droite, c'est terminé. Vous terminerez le jeu sans voir cette partie du chemin. Ouais, là je vous ai fait son attaque spéciale, hein, espèce de coup au sol.
Donc c'est vraiment à vous de décider le chemin que vous voulez vraiment prendre pour finir le jeu. Et si vous voulez voir les autres chemins débloquables, et bien il faudra recommencer le jeu. Et c'est ça qui est intéressant pour une replay value, c'est qu'on peut avoir un jeu globalement différent. Globalement, c'est aussi un grand mot. Allez, un tiers du jeu, ou peut-être même un quart du jeu différent. Donc vous pouvez au moins faire le jeu deux fois en ayant des surprises. Donc vous voyez, là j'arrache de nouveau ça du mur. Et pour moi, c'était vraiment le gros point fort de l'époque. Je me souviens qu'un pote, on disait putain, on a deux jeux en un. C'est pas vrai. C'est pas le cas non plus. Mais moi, j'adore ça. C'est... Je trouve ça énorme. Et même aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux comme ça. De toute façon, là, une version remake de ce jeu-là en HD, j'achète direct, hein, je vous le dis franchement. Donc la durée de vie est sympa. Franchement, c'est sympa pour un jeu de ce type. Bon, le gameplay, il est un petit peu lourdeau, vous l'avez vu. Encore que si vous prenez Elana, l'une des gonzesses, c'est un petit peu plus punchy. Sans arriver à un niveau d'un Street Fighter de Turbo, évidemment. Donc je compare exprès un jeu d'une ancienne génération. Moi, par contre, les musiques me saoulent assez vite. C'est un petit peu trop, je vais pas dire techno, mais c'est chiant. Franchement, ça fait mal à la tête, donc j'ai pas envie d'en parler plus. Point faible pour moi, c'est les musiques, hein, sans problème. Donc là, j'ai presque déjà fait le tour du jeu. Hein. Il y a énormément d'armes qu'on peut récupérer au sol, qui sont cachées dans les coffres de voiture, dans les petites caisses au sol, où les ennemis les laisseront tomber, etc. Faut savoir également que ce jeu-là a connu une suite, donc c'est un jeu qui a quand même eu son petit succès, hein, vu qu'il n'avait pas vraiment de concurrence, donc Fighting Force 2, sorti également sur PlayStation et Dreamcast, qui est une véritable bouse. Donc je ne vais pas forcément en parler, puisque c'est le test du premier Fighting Force, mais c'est devenu un jeu d'action à un seul joueur, avec Hawk en personnage principal. Et le jeu a en fait tous les défauts possibles de la PlayStation, quoi. Problème de caméra, un problème de jouabilité. Bon, les graphismes sont un peu plus beaux que celui-ci, mais le jeu n'a rien, il a un problème de hitbox de malade. Et la difficulté était mais épouvantable. De mémoire, on ne pouvait même pas sauvegarder. Et le pire, c'est que j'avais acheté le jeu le jour de sa sortie, hein, à cause de ce premier Fighting Force. Putain, il me faut absolument le 2, on va s'éclater comme des fous. Je n'avais rien lu sur le jeu. Je vous dis pas la claque lorsque j'ai mis le CD dans la PlayStation. J'ai vu direct que c'était une bouse, quoi. J'étais mais blasé, 369 francs de foutu en l'air. Voilà, j'en dis pas plus. Peut-être je testerai un jour, j'en sais rien. Je l'ai toujours, hein. Il traîne chez mes parents. On verra. Ce sera un test de 5 minutes, grand max. Donc voilà, j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire. Je vais pas trop vous en montrer non plus. C'est aussi à vous de tester le jeu là. Ouais, les bodybuildés là, les colosses là qui arrivent souvent à la fin. Ouais, l'attaque spéciale. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu là. Si vous l'avez connu à l'époque, si. Prend une place importante dans notre connaissance de jeux vidéo, dans votre côté nostalgie. Donc voilà, Fighting Force, pour moi c'est un jeu qui en vaut la peine, surtout à deux players, n'hésitez pas à vous le procurer, ce qui ne vaut plus rien, hein. Au pire vous le faites sur HomeStation, je crois qu'on peut jouer à deux players à distance. Bon, après il faut trouver un joueur qui a envie d'y jouer, malheureusement. Donc voilà, je vous laisse sur ces images. Portez-vous bien les amis, merci d'avoir suivi ce test et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.